Bonjour à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour ce troisième Dog News de la nuit. Et ça n'a pas arrêté, ça s'est enchaîné pour les fans de Naughty Dog qui attendent impatiemment la série The Last of Us par HBO, puisque ça y est, ce matin, nous connaissons les deux acteurs qui vont incarner Joël et Ellie dans la série The Last of Us. Comme on a pu vous le dire il y a quelques heures maintenant, un peu moins de 2 heures, c'est Bella Ramsey, l'actrice de Game of Thrones, qui va incarner Ellie, la jeune actrice britannique de 17 ans. Et pour Joël, c'est désormais officiel, c'est Pedro Pascal, l'homme qui incarne The Mandalorian dans la série Star Wars sur Disney+, qui a été choisi. Cette fois, ce n'est pas The Hollywood Reporter, mais Deadline qui l'annonce et c'est officiel. Cela a été confirmé par Naughty Dog sur leur Twitter. Nous pouvons donc mettre un visage officiel sur les deux acteurs qui vont incarner donc prochainement Joël et Ellie dans l'adaptation de The Last of Us en série par HBO. Le pilote devrait être tourné prochainement et malheureusement aucune date de diffusion pour la série n'est donnée pour le moment. Pour rappel, le projet est une coproduction entre Caroline Strauss, productrice de Game of Thrones, les coprésidents de Naughty Dog, Evan Wells et Neil Druckmann, ainsi que le réalisateur Craig Mazin, qui est donc le réalisateur de Tchernobyl. PlayStation Productions supervise également le projet. L'objectif de la série est de retracer l'histoire de Joël et Ellie dans le premier opus du jeu sorti en juin 2013. Nous devrions découvrir des moments inédits jamais montrés dans le jeu et faire un lien avec la partie 2 disponible depuis le mois de juin 2020. La série sera diffusée sur la plateforme HBO Max aux États-Unis et malheureusement, on n'a toujours aucune information sur la plateforme de diffusion en France. Il y a de grandes chances pour que ce soit OCS Max qui puisse récupérer les droits, comme ce fut le cas avec Game of Thrones et Tchernobyl. Quoi qu'il en soit, la série ne devrait pas arriver avant 2022 au mieux, donc ne vous inquiétez pas d'ici là. N'hésitez pas à suivre Naughty Dog Mag sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Et dès qu'il y aura des informations, vous serez tenu informé en temps et en heure, que ce soit dans la journée ou dans la nuit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et de nous avoir suivis tout au long de la nuit. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite pour plein de nouvelles choses sur Naughty Dog Mag. Salut à tous!